Clément Cuello, doctorant en troisième année à l'UMR Biofora INRA ONF et je travaille sur la formation du bois et sa paroi secondaire. J'ai choisi de participer à Edifice parce que j'avais la volonté de diffuser le savoir et notamment de sensibiliser la jeunesse et le grand public à la recherche, notamment en sciences végétales. Donc Edifice, ça a été une opportunité unique pour moi d'avoir l'occasion de faire de la médiation scientifique, donc de la diffusion de savoir auprès du grand public. Les lycéens, via leur regard un peu naïf, sont arrivés avec des observations et des interrogations. Et ça m'a poussé à chercher un petit peu plus loin pour leur apporter les bonnes réponses. Donc j'avais pour ambition avant ma thèse d'être dans la recherche et l'amélioration des plantes. Actuellement, j'envisage également une orientation enseignement ou enseignement-recherche. Donc si j'avais un seul conseil à donner pour réussir le projet Edifice, c'est vraiment de dégager du temps. Mais c'est du temps qu'on va gagner sur la fin de notre thèse puisqu'on aura réussi à faire comprendre des choses complexes à des secondes. Et si j'avais un tout dernier conseil, c'est vraiment d'être passionné par ce qu'on fait. Parce que dans la mesure où on va être passionné, notre passion va forcément se transmettre à nos lycéens. Et s'ils sont passionnés, après c'est gagné. Ce serait vulgarisation, donc la simplification des savoirs pour les rendre accessibles à tous. Sympathie, parce qu'on a quand même des échanges assez sympathiques avec les lycéens. Et partage, parce que c'est vraiment une relation gagnant-gagnant où je leur apporte du savoir scientifique et eux m'apportent un œil neuf sur ma thèse.